Bonjour tout le monde et bienvenue sur Chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Avec seulement 4 ingrédients, faites ce délicieux gâteau sans cuisson en quelques minutes. Gâteau traditionnel de la cuisine marocaine, facile et très rapide à réaliser. Alors dans cette poêle, je vais commencer par faire dorer les cacahuètes. Ici j'ai utilisé les cacahuètes sans la peau, 500 g. Sur feu doux, en remuant régulièrement. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, un petit like si vous appréciez la recette et de me laisser vos commentaires. Vous trouverez plusieurs idées de gâteaux sans cuisson sur ma chaîne et sur ma page Facebook. Je vous invite à les découvrir. Et si une fois qu'elles prennent la couleur dorée, comme vous voyez, je les retire du feu, puis je les mixe. Je les mixe grossièrement. Comme vous allez voir. Voilà, mixez-le juste grossièrement, mais pas complètement moulu. Comme vous voyez. Ici, vous en avez le choix d'utiliser uniquement les cacahuètes. Ou bien vous ajoutez les biscuits, ici j'ai les biscuits nature, 100 g. Je les mixe. Alors pour ramasser ces ingrédients, je rajoute du miel. Ou bien vous en avez aussi le choix d'ajouter le lait concentré sucré ou le beurre fondu. Je le répartis sur ce papier cuisson. Je vais étaler bien le dessus. Avec la cuillère, comme vous allez voir. Je fais fondre le chocolat noir avec un peu d'huile végétale. Pour la brillance, voilà, et je le perce dessus. Je le laisse refroidir sur ce plan de travail ou dans le frigo. Après le refroidissement, je le tourne de l'autre côté et je fais la même chose, je verse le chocolat dessus. Je viens de faire fondre aussi le chocolat au lait pour la décoration, juste un peu, 50 g. Et avec le cure-dent, je vais faire cette décoration, comme vous voyez, rapidement, et je le laisse refroidir, juste sur ce plan de travail, puis je le découpe. Et ici, c'est très important de passer le couteau sous l'eau chaude, comme ça, elle pénètre sans casser le chocolat. Ici, vous en avez le choix de les couper sous forme des losanges ou des petits carrés, selon ce que vous aimez.
Et voilà, avec très peu d'ingrédients, 500 g de cacahuètes et 100 g de biscuits, vous allez obtenir une grande quantité de petits gâteaux sans cuisson, prêts en quelques minutes. Pour les réserver, gardez-les au frigo, puisqu'on a utilisé le chocolat. Un délice au moment du thé ou du café, au prophète de l'Aïd. Si vous appréciez la recette, n'oubliez pas le pouce bleu, un petit like, partage et laissez-moi un petit commentaire. Je vous remercie de suivre la vidéo. Et à la prochaine.